Vous êtes sur RTL. Notre météo à 7 jours avec vous, Louis Baudin, maintenant, il est 8h34. Et j'ai plutôt de bonnes nouvelles pour la fin de semaine. Alors, pas encore aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on n'oublie pas le parapluie, parce que de toute façon, il va servir. S'il ne le sert pas en ce moment, d'ailleurs, il pleut là quasiment des Pyrénées à la frontière belge. Cet après-midi, c'est toute la moitié est qui retrouvera de la pluie, y compris dans le sud. Hein. Il y en aura de nouveau du côté de la Côte d'Azur, mais ça sera beaucoup moins intense que durant la journée d'hier. Un peu moins sur la Corse, qui restera un petit peu à l'écart. Après son passage, retour d'éclaircies dans l'ouest, mais avec encore des averses. Le vent sera de la partie jusqu'à 80 km/h, puis à partir de demain, cette perturbation, on va l'oublier. Alors, elle laissera un peu d'humidité, quelques brumes, brouillards, peut-être quelques averses l'après-midi, notamment près des frontières de l'Est, mais déjà, le soleil reviendra dans la plupart des régions. Les températures seront un petit peu fraîches le matin, de saison l'après-midi, et à partir de jeudi, ça se confirme. C'est un temps sec, ensoleillé, qui revient, agréable, quelques brouillards le matin. Ça, c'est l'été indien, ça y ressemble, hein. On est au mois d'octobre, donc c'est quelques journées très belles. Alors bon, les jours sont un peu moins longs, mais c'est très agréable, puisqu'on attendra les 18-19 degrés l'après-midi, 20 à 25 quand même dans le sud. Et puis ça nous accompagne jusqu'à samedi, dimanche inclus, lundi. Donc, vous voyez, un beau week-end en perspective. Bah, c'est très agréable, vous me dites ça avec un grand sourire et des yeux qui pétillent.